Bonjour Youssef Bonjour David. Strakavener, bienvenue. Bonjour. Toujours dans la fabrication des idoles avec toutes les Oui, dérivées les détails. ramifications. Règle numéro 9. De même qu'il est interdit de faire ces formes pour, la décoration. Oui. Et pareil, s'il les a trouvées, il a trouvé un objet comme ça dans la rue. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'objets qui sont mis, tu sais, quand ils font les vides greniers ou vides maison, oui, des choses dans la rue. Ou des choses comme ça. Ou alors, il les a reçus de quelqu'un. D'accord. Alors, si c'est pour un côté décoratif, il n'a pas le droit de les prendre. Donc. Oui, pour ne pas que d'autres se trompent et qu'ils croient que lui, il est idolâtre. D'accord. Mais s'il a une utilisation différente, il aura le droit d'en profiter. Ça peut servir de support. Je mets cette idole derrière un chevalet, par exemple, ouais, ouais. Et ça sert de support. D'accord. Pour notre utilisation, qui ne soit pas d'embellissement ou de décoration, il est permis d'en profiter. Ou alors, il est même permis de les vendre à d'autres, ah oui, qui, eux, vont les utiliser. D'accord. Et si il veut quand même garder l'objet en tant que décoration, pour que ce soit permis de le garder, il faut lui enlever un membre de telle manière que ça ne restera pas entier. Par exemple, lui couper le bout du nez ou de l'oreille, d'accord, pour qu'on reconnaisse que la forme n'est pas entière. Et à ce moment-là, on aura le droit de la garder en sa possession. Formidable. Des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles, bonne journée.